Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui petite vidéo pour parler de moi et pour parler du t-shirt que je porte ici avec mon nom dans le dos comme vous pouvez voir. Tout simplement pourquoi, c'est que j'ai gagné ma place en équipe de France pour le championnat d'Europe en Slovénie donc début septembre donc 2021. Donc déjà, petit retour sur le sélectif qui a été quand même assez compliqué émotionnellement à gérer. Ça faisait maintenant presque 2 ans que j'avais pas fait de compétition. Et ça a été un petit peu la reprise, le fait de se remettre dedans. J'ai pu voir des petites choses qui allaient pas, d'autres choses qui allaient. Mais je suis assez content de pouvoir repartir en équipe de France et d'aller faire justement cette sélection, de participer à ce championnat où j'étais sélectionné, donc qui se déroulera au mois de septembre. Donc vous pouvez voir là, juste ici, hop, là c'est difficile quand je regarde l'écran de la caméra, mais ce sont mes médailles internationales que j'ai juste mis derrière moi, histoire de me remettre un petit peu dans l'ambiance de ce que j'ai pu faire il y a d'autres années. Bon, je sais que les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais vraiment content de pouvoir de nouveau reporter les couleurs de la France et aller participer à ce championnat du monde. Or c'est vrai que j'ai pas fait d'annonce sur Facebook, j'ai fait une annonce sur Instagram, mais j'ai pas eu le temps de faire trop d'annonces autour de cette sélection, mais parce que j'ai énormément de projets en cours et pas mal de boulot aussi à l'atelier. Donc j'en profite là entre deux tournages de vous faire cette petite vidéo pour plus vous parler de moi au niveau sportif, parce que ce qui me fait vibrer c'est quand même la compétition et ce sport, je vais pas dire à haut niveau, mais aller jouer avec les meilleurs. C'est ça qui me fait vibrer dans le tir à l'arc. Donc je suis plus un tireur compétiteur qu'un tireur plaisir. Je suis aussi chasseur à l'arc, c'est une grosse partie de moi, mais une autre partie de moi c'est le tir de compétition, et je me dis je peux aussi vous partager un petit peu plus cette passion là. Donc ce côté du dépassement de soi, de l'envie de toujours faire mieux, qui me tient énormément à cœur et qui fait partie de ma personnalité surtout. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos où vous allez pouvoir suivre aussi toute ma préparation pour ce championnat d'Europe. Donc la préparation va être quand même très courte parce que il me reste quasiment un mois pour me préparer, mais ça va être beaucoup de tirs comptés, beaucoup de duels, que ce soit avec David Jackson, mon pote en berbeau, ou d'autres archers comme Daniel Ramos et d'autres archers que je peux côtoyer dans mes entraînements et sur les compétitions. Je serai aussi présent sur le championnat de France tir campagne, tout simplement parce que c'est la première année où les longbows sont autorisés au championnat de France, donc je serai présent et je tirerai le championnat de France, qui sera un petit peu pour moi une mise au point pour ce qui va se passer tout simplement sur les championnats d'Europe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais revernir mon arc, mon Black Widow, que j'ai prévu de tirer au championnat d'Europe justement. Pourquoi je le fais revernir? Parce que c'est un arc que j'avais acheté d'occasion à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le tir à l'arc. Et je me suis dit, c'est l'occasion de redonner un coup de jeune à cet arc là, et je remercie Philippe de Phébus Archerie qui a accepté de me revernir mon arc. Vraiment un gars en or qui travaille très très bien, pensez à aller voir son site internet et ses arcs, je mettrai le lien dans la vidéo. Et je le remercie aussi d'accepter de vernir mon arc, c'est c'est quelque chose de très très sympa de sa part d'avoir accepté de faire ça. Voilà. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que je vais essayer de vous expliquer comment je me prépare dans d'autres vidéos. J'aborderai aussi la préparation physique, la préparation mentale, les exercices que moi je fais pour me mettre en condition. Et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos pour parler de tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, tirez à l'arc, faites-vous plaisir.